Bonjour, Jean-François Canfrère du FISOL. J'étais dirigeant de l'entreprise du FISOL, plafond suspendu, solution acoustique pour traiter les nuisances sonores dans les espaces de travail. C'est une entreprise que j'ai rachetée et reprise il y a 15 ans. Une entreprise dans le domaine du bâtiment, un peu moins de 10 personnes, basée à Saint-Herblain, et que j'ai revendue donc au 1er mai 2022. Transentreprise, en fait, c'est un site aujourd'hui qui permet à la fois d'accueillir deux types de cibles pour un vendeur. Des individuels aujourd'hui qui recherchent donc à racheter, mais aussi des structures commerciales qui cherchent aujourd'hui des entreprises pour, ou des structures pour des diversifications. On n'est pas des spécialistes aujourd'hui, nous, de la rédaction. Par contre, à la Chambre de commerce et avec mon interlocuteur à la CCI, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui a été capable aujourd'hui de comprendre avec une certaine sobriété, je dirais, les qualités de l'entreprise et qui a su les rédiger et les mettre en avant. Il est important de choisir les bons partenaires. Moi, j'ai tendance aujourd'hui à préconiser le fait d'avoir un accompagnateur qui vous permet, notamment sur la partie commerciale, de réfléchir sur vos points forts, ce que vous allez pouvoir entreprendre, vous aider à bâtir un plan d'action. Et cette phase préparatoire aujourd'hui est un signe de confiance vis-à-vis de la personne qui va reprendre votre entreprise, car elle va reprendre un véhicule qui va être en état de marche et qui roule.